Et bonjour tout le monde, c'est RX Project sur Planet Zoo pour continuer donc la création de notre parc zoologique. Ça a déjà un petit peu reproduit ici en échoue le petit Oryx. Oui, voilà, les visiteurs ont une bonne vue. On voit le bébé, etc. Bon. Du côté des gnous et des zèbres, ça fornique également. Donc, oh! Oh! Oh, t'es mignon, toi! Oh! Ouf! Oh, oh! Il est bon. Bien. Alors, aujourd'hui. Bon, je vais être en pause pour avoir plus fait. Aujourd'hui, donc, création de. D'une petite zone de repos et boutique pour les visiteurs ici, avec un petit enclos des tortues des Seychelles juste à côté. Donc un petit enclos assez simple. Et vu que ça prendra pas beaucoup de temps, il y aura du coup la conception de l'enclos des Lémuriens. Alors quand même que j'accélère, que je puisse boucler en fait la boucle ici. Et après, je pourrais partir de l'autre côté dans le parc. Alors, on va commencer par poser les services. Alors, il me faut un stand de boisson. Tous. Mettre des nouveaux. Un peu varié. Non, 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 non. Primo, on va mettre des toilettes. Pas qu'il y ait besoin d'en faire des gigantesques. Voilà, on va mettre comme ça, on a le quadrillage. On prend le... Use. On va le mettre ici. Frites, Missy Good, pizza, excellente. Ça. Il y a vraiment pas moyen. Donc, il y a là. Ah, d'accord. Je suis un peu maniaque pour ça, mais... Bon, allez, comme ça. Voilà. Donc, on a l'allée. Est-ce qu'on rajoute l'un ou l'autre service? Là, on va connecter l'allée. Ici. Comme ça, c'est bien. On va voir les services. Est-ce que je. Bon, déjà un service de finance. Où le placer idéalement? Je crois que là c'est bien. Ouais, voilà. Alors la boîte à dons pour les tortues. Hop, ça se fait. Centre d'information, on s'en fiche. Centre de souvenirs, qu'est-ce que j'ai eu? Ça, ça. J'ai que ça? En fait, il n'y a que trois souvenirs différents. Vérifier les recherches mécaniques. Centre de souvenirs. Ah ouais.
Bon, bah tant pis, hein. Tiens, les recherches vitaux, ça en est où? Ça monte. Bientôt le scolopendre à fond. Alors, je ferai les murs après, hein. Pas de raison. Mais là, je veux vraiment mettre un petit peu le turbo. Donc, alors. Ici. Prendre un bois. Les murs. Murs en planche de bois. Est-ce que je mets les murs comme ça? Ou est-ce que je fais de nouveau en rondin? Rondin cintré haut, rondin haut, etc. Je trouve que c'est bien. Ça donne plutôt pas mal. Ah, on quitte le haut. Voilà. On requitte. Chipoter. Ah. Et excusez-moi un instant. Voilà. On laisse enfermer le chien dans le hall d'entrée juste à côté, donc forcément, voilà. Et après on va me dire, ah mais on n'en peut rien. Bah si. Faut brancher les deux neurones qui se courent après de temps en temps. Hein. Bon, y a ceux qui penseraient, ah t'es méchant avec ta famille. Passez une semaine avec, vous comprendrez. C'est un peu plus grand que ce que j'avais pris. Mais en soi, c'est pas dérangeant. Ah. Réajuster les clôtures. Bon, c'est pas parfait, mais je ne pense pas que ça ait une véritable incidence. Ça, on va faire plus simple. Réajuster ça bien sûr. Longueur 5 mètres.
pas la mort. Ah, je vais te réduire. Si ça doit être. Ah. Ça devrait aller. Je vais simplement. Oups. Ouais, non. Là, comme ça. Les clôtures. Alors, on le bouge un peu. Voilà. Celle-ci aussi. Voilà. C'est pas parfait. C'est surtout au niveau de la clôture que ça pêche. On va essayer un petit peu. Hop, 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 hop. Arrondi. Coup. Bon. Voilà, je prends trop de temps. Il faut que je mette le turbo. Alors, déjà. Biome tropical. Non. Il me faut les services. Poubelles et bancs. Déjà, les poubelles, il en faut à l'appel. Parce que même avec une poubelle là, il jette des détritus n'importe où. C'est. Ça me tue. Là. Sécurité. Pas jeter avant. Sur. Les animaux, bien sûr. Également mettre les panneaux éducatifs. Ah. Ça va être le haut-parleur. Juste là. La puissance du haut-parleur. On va la mettre à 9. Alors. On est obligé de les mettre sur le dallage. Voir si je peux pas réussir à manger une petite largeur 6 mètres. Non, c'est pas dans ce sens-là.
C'est pas génial, génial, mais... m'inquiète toujours moins du bien-être des visiteurs que de celui des animaux. Ce sont ces derniers qui sont les plus importants à mes yeux. Les bancs en Afrique, ouais, c'est bon là. Bon, bien sûr, je ferai un petit peu de déco aussi. Mais ce que je vais vraiment essayer de boucler là. Alors, locaux du personnel, cabinet. Ah! Je parle beaucoup trop vite. Cabane de soigneur. Imo. Non, on va mettre le. L'allée des employés. On pourrait la relier justement là au bout. Alors, est-ce qu'il y a un centre d'échange pas loin? Non, bon. Ah. Je vais remettre la cabane de soigneur juste à côté et on va mettre un. Oh non, centre d'échange, il y en a qui feront le trajet. Ah, ils amèneront les animaux. De toute façon, une fois que les animaux sont dedans, en général, ça roule pour moi, donc ça c'est bon. Voilà. Alors, les tortues, on va quand même un petit peu chier. On leur met un petit trou d'eau. Alors, primo. Toujours tout texturé en terre, comme ça après, j'ai plus facile pour les modifications de terrain en général. Ça, il me faut un petit trou d'eau. J'ai dit petit, donc là c'est peut-être un peu gros. Et un, c'est trop. Taille 2. D'eau, c'est bon, c'est habituel, c'est correct. Bien. Pom pom pom, il y a ça, il y a ça. Alors il faut quand même une. Bah, il va falloir quand même une. Pas du personnel. Pas très loin. On va la mettre là. Ah. Mettre une allée du personnel ici. Ça, ils peuvent faire le trajet jusqu'à la salle de repos. Bien. Problème de bâtiment. C'est vrai que j'ai pas vérifié l'électricité et compagnie. Voilà. Eh, hein? Bien. Coup. Terre. Mais une éolienne. Voilà, ça le fait. Suffisamment grand. Et ça met pas une zone dégueulasse. Ou possible. Alors, échange d'animaux, animaux en attente. Les tortues géantes. Les Seychelles. Ah, il y a un gnou qui vient d'avoir un petit. Voilà. Bon prévu. Tortue des Seychelles. Ah! Et il me faut du coup un soigneur attitré.
travail tant. C'est vrai qu'il n'y en a pas. La zone de travail, ce sera ici. Voilà. Les visiteurs commencent à affluer déjà ici. Donc on va un peu agencer quand même tout ça. Alors construction, on a en bois. Voilà, non, en bois, qu'est-ce que je peux avoir? Poutre carré de 4 mètres. Pas mal ça. Ah. Quoi, quand tu veux pas, il veut. Ça comme ça. Laisser assez haut, mais quand même ça prend. Non. On va créer un groupe. Voilà, ça j'aurai plus facile. Le groupe est fait, alors il me faut... On va laisser les gens un peu se balader et les tortues arriver maintenant quand même. Pour les lettres, moi, qu'il me faut. Tu es arrivé. Lettre, je ne sais plus dans quoi ça se trouve. Donc là, il me faut... Juste un mur en bois... Prends comme ça, hein. Ça va être caché. Alors... Grand, c'est pas un grand jeu, c'est ça.
Est-ce que j'ai l'apostrophe? Un grand. Pas la lettre en thaïlande. Ouais, en fait, les grandes lettres, c'est bon. Un grand zéro, c'est un ouf. Deux groupes différents, donc forcément, c'est pas. Un peu le. Pardon, c'est dans les enseignes. Ça. Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est déjà ça. Alors, les tortues des Seychelles, on va tout de suite les installer. Alors, il vous faut un abri solide. L'abri solide. J'ai bien une petite idée. Que je réussisse à arranger un peu tout ce bazar. Donc c'est quand même assez gros. On parle de deux tortues, hein, deux malheureuses tortues. Alors on va diminuer la puissance. Normalement, ça c'est bon. Bon, ça va être. Cinq pour cent. Versable, elles savent pas fuir. Hein. Non, on est bien d'accord. Abri. Y en a pas? Ça le compte pas.
Je crois savoir pourquoi. Parce que c'est un travail dégueulasse. Non mais vous êtes sérieux? C'est pas assez grand pour vous en fait ça? C'est ça que je comprends pas. Ah si, voilà. Il n'y a pas grand chose. Bon, c'est dans ce cas-là que l'on va devoir chipoter l'or. Elle c'est tropical, donc on va prendre tropical rocher. Pas cela. Ça parce que ça, ça me gonfle. Elles ont besoin de plus d'abri que les autres, on dirait celle-là. Bon, on va déjà s'occuper du terrain comme ça sera fait. Alors, la terre, il y en a beaucoup trop. Il lui faut du sable. Sable, déjà, ça. Par contre, pour ça, du coup, on augmente un petit peu la puissance de l'outil. Herbe courte et de l'herbe longue. Alors herbe longue, on va ça là, un petit coup là. Courte. Alors la pierre. Très dur ça en fait. Voilà, comme ça t'es bien, on dirait, hein? Je vais remettre un peu de sable quand même. Qu'est-ce que je pourrais en rajouter? Ici. Voilà, donc, pour un abri solide maintenant. Enfin, plusieurs abris solides. J'ai l'impression. On va essayer d'en mettre un deuxième. Un truc on va le faire comme ça au pif hein. ça va pas être génial. On le grand rocher trop gros. Celui-ci ça va aller où je changerai la hauteur. J'aime pas, c'est que ça diminue quand même beaucoup leur territoire. Un 2,1. Solide 29 pour. Il faut tant de cachettes que ça? Mais en fait. Ah, dans ce cas, je vais pas y aller avec la cuillère. Hein. Ah, on va.
Dégager. Pour la déco quand même. Et donc en fait c'est vraiment des tortues on dirait. Alors ça dit quoi maintenant? Seulement 37%, vous êtes sérieux? Ils vont me les casser. Alors nourriture et eau, tortue. Et tortue géante des Seychelles. De l'eau, vous en avez là. Je vais mettre une grande auge. Va la mettre trop loin, on va la mettre là, c'est bien. Chage, on va leur mettre un petit peu de paille là en dessous. Non, convient mieux comme ça? D'accord. Ça leur fait 49. Comment je pourrais faire pour que ce soit... Ah bah je sais. Qu'est-ce qui va pas? Je pense. Deux. La puissance à 60. Ok, je... Ah, voilà, 52%, c'est quoi? Ah. 55%, voilà. Vous allez devoir un petit peu traficoter cette façon. Pas ce qu'il y a de plus joli, hein, mais. Excusez-moi. Je disais donc c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Et là elle risque d'essayer de fuir choquant. Donc il faut que je vois si elles peuvent. Voyons. Les zones de déplacement sont traversables. Elles savent plus monter. Donc ça c'est bon. Ah elles vont. Là, ce sera de la eau principalement. Et du coup, zone d'abri. Et que là, c'est principalement à mon avis parce que le terrain est un peu bas. Donc russe. Voilà! Voilà, 95%, elles sont satisfaites, c'est bon. Alors, optimisation.
Arbre à fruits. C'est l'alimentaire. Le jouet. Alors, il est logique. Ça va être une zone plus fraîche. On va la mettre par ici. Et marque de parfum d'herbe. Mettre ça là. Ah, et on va s'occuper de l'environnement. Donc il faut tropical. Afrique. Et là, on va mettre des cocotiers. Ce genre. Ah, des cicas aussi, tiens, ça peut être bien. D'abord les cocotiers. Alors, quelques Sika. En fait. Ah. Je vais mettre un pommier canette juste un. Non, c'est pas. Ah, ici. Cache avantageusement ce genre de choses aux visiteurs. Perdu si ça ne réduit pas. Si ça réduit un peu le espace. Celui-là, on va. Dans le Réos. Ça c'est bien. Kapoki, c'est beaucoup trop grand. Sika, est-ce que je peux pas en mettre un de plus? En arrière-plan, tiens. Non. Ça. Pantafleur, ce sont les fougères nid d'oiseaux. Fougères nid d'oiseaux, ça donne bien. On les colle. Ça donne bien quand on les colle sur des rochers. Voilà. Ah, être adulte lui. Et qu'il va y avoir des soucis entre eux. Elle n'a pas de petit. Ça donne quoi toi? Ouais, tu seras relâché. Tes stats sont pas géniales. Regardez un truc. L'électricité ça tourne sauf là au bout, mais ça c'est normal pour l'instant. Impact négatif sur les visiteurs, là, on s'en fiche. Voilà. Les visiteurs viennent ici. Bien, pas nourri. Vas-y. On a une bonne vue, tu m'étonnes, elle est juste devant. Bon, toi t'as une bonne vue sur le panneau, mais... Ah là, elles sont bien là. Ah, il y a des bébés zèbres. Salut toi. Ouais, pas génial. Voilà, Shani, Oryctérum du Cap. Adulte.
Là, je vérifie. Donc, t'es pas génial. 170 feuilles, eh ben. Oh, ils sont des mamours. Bien. Donc, alors les bâtiments, ça je les décorerai plus tard. Ce que je veux faire là maintenant, par contre, c'est décorer au maximum. Ce qui va être difficile vu que je vois pas grand chose. Zone d'ombre grâce au cocotier. Canal, il m'en faut un plus petit. Voilà, ça c'est bien. Plusieurs problèmes de bâtiment. Alors ça quand même ça me chiffonne. À moins que les demandes élevées soient considérées comme des problèmes de bâtiment. Ah, j'en ai un peu rien à cirer. C'est le nombre maximum de personnes là. Voilà, alors. Eh ben, le troupeau, ça s'agrandit ici, hein? Le terrain. Ah! Pas besoin de beaucoup de place, on... plutôt bien. Les finances, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va aller. Il faut toujours le temps que ça se remette un peu en positif. Voilà, ça remonte doucement. Alors ici, les tortues, elles ont l'air bien. Combien? Ici, on a ça. Et on va mettre un peu de rocher. Team Caillou, comme dirait certains. Mais j'avoue que me permettre de faire, d'avoir un certain cachet. Alpha, ça par contre faut que je garde un œil. Alors ça c'est le petit nouveau, c'est nul, pas nul, pas intéressant, je flash. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, alerte rouge, alerte rouge. Alors je garde un mâle, deux femelles. Voilà.
Ça, c'est déjà mieux. Et c'est tout. D'accord. Le prix du billet est bon marché. Alors, il y a combien le prix du billet? $30, c'est bon marché. On va le monter à 33 et on va laisser à 15 pour les enfants. Ce gars est en route, ça. Il vient de lui donner. Et si le prix du billet pour ce que c'est bon marché, moi ça me va. Hein. Voilà, donc là ça tourne, on va faire un peu de déco en plus, juste un petit peu. Là, ça. Escarabée Goliath qui ont des petits en boucle. La cochère qui arrête pas de forniquer aussi, c'est bien ça. Ça fera pas mal de petits. Ah. Il y en a une qui a l'air passablement bloquée. Il y a un Yala qui va mourir de vieille. C'est la vie. Un animal mort. Voilà, il a fait son dernier tour de piste devant les visiteurs. Ils l'ont vu mourir. Traumatisme pour les enfants. Est-ce qu'il y a moyen? Non, c'est trop grand. Ça va pas avec. Et vous êtes vraiment en train de me dire que ça vous empêche de bouger. Bon, ouais, ça, hein. On verra bien s'ils vont dessus. Voilà. Ça. Ah ouh. Voilà. Faire d'aller. Ça c'est bon. Aziz est ouverte. Rajouter quelques menus déco comme ça. Je ferai ça plus proprement plus tard. Hein. Ah, des bananiers, c'est vrai, j'en avais pas mis. Alors que je trouve que ça donne pas mal. Oh, beaucoup trop gros ça. C'est pas mal. Voilà. Voilà, et je crois qu'on va s'arrêter pour cet épisode-ci. Qui sera de toute façon suivi. Donc la conception d'enclos, cette fois, sera celle des Lémuriens, juste ici. Donc ça va être une grosse conception, sera sûrement un épisode assez long. Ce sera un épisode sûrement assez long quand même, vu que je dois
Je dois en plus préparer l'infrastructure. Parti. L'infrastructure, je vais la préparer d'avance. Comme ça, voilà, ça fait gagner un peu de temps. Et l'enclos, voilà. C'est quand même... il a une bonne petite taille. Ce sera donc le placement des lémuriens. Il y aura deux lémuriens... sur lesquels... Lémurkata et deux varirous. Je verrai si je sais en avoir d'autres pour avoir trois de chaque. Mais voilà, donc la petite oasis que j'améliorerai aussi au fur et à mesure, bien sûr, comme le reste. Ça donne pas mal la végétation bien touffue comme ça au milieu. J'aurais aimé avoir un point d'eau, mais il n'y avait pas assez de place, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!